Internet est bel et bien un autre univers, synthétique peut-être, mais un autre univers. Nous savons d'ores et déjà que tout, on répète bien que tout, est une forme de vie. Comment cela fonctionne La forme de vie synthétique s'alimente de celle soi-disant organique, le Créateur. En tant que tel, nous faisons office de l'univers original par rapport à la leur. Donc leurs univers, d'un certain sens, se nourrissent de la nôtre. Si vous ne comprenez pas... Vous devez peut-être visionner la vidéo réalité alternative et analyse historique. Puisque dans cette vidéo, les transcriptions nous ont aidés à mieux comprendre les trucs de déjà vu. Fusion de réalité, ce n'est pas la première fois que cela s'est passé. À Atlantide, il y a eu trois destructions. L'ultime catastrophe est celle qui en a fini de la civilisation de surface et celle-ci a mis en jeu la civilisation atlantéenne face aux cristaux. Les propres cristaux qui ont été conçu par les Atlantéens, il convient de savoir que la création est toujours à la recherche du créateur, du moins au niveau physique. Instinctivement, tout le monde recherche ses origines et c'est en fait le pourquoi, car la création est toujours à la recherche de son créateur. Donc oui, les chrétiens, à un certain point, ont détruit leurs utilisateurs au même titre qu'il est prédit que les ordinateurs la technologie digitale et artificielle nous submergeront. Cela s'est passé par le passé et serait en cours de réalisation au jour d'aujourd'hui. Extrait. Les Atlantéens qui ont été incarnés sont prêts à faire la même chose que ce qu'ils ont fait avec les cristaux. Alors c'est une répétition d'Atlantide sous une autre forme de modalité. Différents types d'équipements, mais situations similaires donc. Toutes les leçons doivent être apprises avant de passer à des choses plus grandes et belles est-ce une déclaration générale concernant les atlantéens devant apprendre des leçons ou bien qu'une fois celles-ci apprises nous passons à des choses plus grandes et belles pour tout ce qui a trait au présent comme au futur était-ce nécessaire pour eux de mettre en place des stations sur mars et la lune cela a-t-il augmenté leur pouvoir pas nécessairement au même titre que vous n'avez pas besoin de millions de dollars les atlantéens étaient à soif au même titre que vous l'êtes pour l'argent mais qui étaient donc des travailleurs de drones Atlantéens, des esclaves contrôlés via des cristaux, des implants cristallins, et l'ultime et destruction finale a été provoquée par quoi Des cristaux, ont-ils perdu le contrôle de ceux-ci Cela les a submergés comme ce sera le cas pour les ordinateurs à votre dépens. Est-ce similaire au fait que ceux-ci atteignent une intelligence autonome Correct. Vous êtes donc en train de nous dire que ces structures cristallines ont pris vie afin de faire simple Correct. Et quand il fait, ils ont détruit Atlantide, fin de cet extrait. Il convient donc d'étudier l'origine de la branche de notre Internet, du Web, car il en existe plusieurs. Il existe une branche tartarienne qui a été supprimée, effacée, mais toujours présente, jusque pas d'accès public. Il en existe une autre version Atlantide, via les cristaux, évidemment, qui sont encore en vie, de façon temporaire et en transition, une étant égyptienne et sumérienne lors de leur lointaine civilisation. Revenons-en donc à notre question si précieuse. Notre branche du web vient du crash de Roswell en 1947. C'est pour cela, entre autres, que lorsque le web ne fonctionne pas, qu'avez-vous donc coutume de dire Le web, l'Internet a crashé, tel un crash d'avion ou d'objet non identifiable. Le net a crashé. Ce vocabulaire que vous citez à votre insu au niveau de son origine, afin de décrire un état d'être du net, du web vient donc du crash de Roswell en 1947. De ce fait, nos ordinateurs modernes, mais pas nécessairement les plus performants, sont constitués d'êtres extraterrestres qui ont craché sur Terre. Sauf que ceux-ci étaient déjà des êtres cybernétiques, c'est-à-dire constitués de parts humaines et extraterrestres à la fois 3 et de densité 4. C'est de là que vient l'interdimensionnalité du web, de l'Internet. D'ailleurs, en remplaçant le « i » par un « e », nous avons pratiquement l'éternel, l'éternel aussi presque même. Or, nous savons que l'éther est une substance quatre-dimensionnelle, très rare, mais contenue dans le sperme, car le sperme étant une substance éthérique à la perfection, car constituée de par égale des quatre éléments sacrés, que sont l'air, l'eau, le feu et la terre. Et c'est pourquoi la façon légale de rentrer dans ce bas-monde se fait via la relation intime, car lorsque vous performez l'acte, vous êtes à même de conjurer naturellement des êtres de dimension 4, 5 ou 6. C'est le processus mystérieux de la naissance, ce qui prouve nos dires. Extrait prise d'une vidéo faite le 26 septembre 2022 n'appartenant pas à cette chaîne. Ne me mésinterprétez pas, je blague souvent, mais lorsqu'il s'agit d'infos extraterrestres, je ne vous ai jamais menti, tout ce que je vous ai dit est vrai, et cela devient réalité. Car en approchant 2024, c'est une année clé que vous pouvez considérer, interpréter comme étant une des pires années en termes de sacrifice rituel niveau collectif. Je vous ai parlé des Andromédiens. J'ai été contacté par elles lors de mon séjour dans la caverne du Mammouth, dans le monde des rêves. Et éventuellement, je les ai rencontrés dans la vraie vie. Et voyez les amis, je vous ai dit que les Andromédiens sont des insectes en mesure de se métamorphoser. Et lorsqu'elles métamorphosent... Elles sont très attractives, extrêmement attractives. Cependant, cette coquille d'apparence ne peut être maintenue que durant un certain temps. Une fois cette capsule de temps expirée, la coquille d'apparence se défait et généralement, elles vont se cacher. Et c'est ainsi que vous savez que vous avez affaire à une andromédienne ou des copains ou copines extraterrestres. Ces différentes phases où l'individu en question disparaît pour un rien dans votre vie durant une période assez conséquente, et font leurs apparitions comme si de rien n'était. Et je fais cette remarque pour une raison précise et valable. Les andromédiens ont un pacte énorme avec la technologie. Les andromédiens ont placé illégalement des écoutes électroniques visuelles de contact au niveau de l'énergie et de l'expérience sexuelle. Cela s'est passé il y a de nombreuses années. Afin d'être bref, lorsque vous avez des relations intimes avec une personne contaminée de bog, vous interceptez ce bog. Et c'est pire que les STD, les HIV, car c'est basé selon un signal électronique, électrique de résonance. Souvenez-vous de cela. C'est configuré selon un signal de fréquence électrique. Une fois la relation consommée, l'acte intime, vous serez suivi via cet âge bog par d'autres êtres assez négatifs et sombres. Et éventuellement, pour ceux qui ne se débarrassent pas de ces bogues, parasites, un sacrifice énorme de rituels au niveau collectif les attend. Car ne vous méprenez pas, les amis. Vous prenez pour acquis le fait que la force sexuelle est constituée de beaucoup de force, de finances, d'énergie. Une éjaculation est considérée comme une forme d'énergie assez puissante afin d'automatiser une ville entière d'électricité pour quelques minutes. Une éjaculation est considérée comme une forme d'énergie assez puissante afin d'automatiser une ville entière d'électricité pour quelques minutes. Une seule personne, sans prendre en compte donc le fait que deux personnes gaspillent de la force sexuelle. Qui sont donc responsables de cela Qui doivent être pris comme responsables, coupables pour cela Vous devez donc prendre du temps pour vous, pas quelques semaines ou mois non plus. Nous parlons d'un cycle de temps complet afin de vous désintoxiquer complètement, vous purifier, purger, car sinon vous serez traqué pour toujours. Vous ne serez pas en mesure de fonctionner normalement au sein de la société. Beaucoup en fait seront extincts. Pourquoi donc Croyez-le ou pas. La, rapture, la grande rapture est connectée à l'énergie sexuelle et beaucoup vont disparaître, pour le bien ou pour le pire, car les andromédiens ont placé des signaux électroniques des virus, des maladies transmissibles, au sein d'actes liés à l'énergie sexuelle et d'expérience, et seuls des occultistes de grand niveau sont en mesure de se guérir de ces trucs, d'où l'existence des massages sexuels, etc. Et ce qui est négatif est que beaucoup deviennent addicts une fois l'acte intime performé, car c'est bien une performance, la simulation. Et tout fait que cela rend addict. La plupart des gens font et performent l'acte sans prendre en compte à quel point ils sont léthargiques suite à l'acte intime. Et beaucoup de gens apparemment commencent à expérimenter les symptômes. Je voulais pointer cela car 2024 arrive à grand pas. Et pour ce n'étant pas prêt, le pire est encore à venir pour vous. Éventuellement, ils vont bannir le sexe de cette planète. La force policière chargée de cela est déjà établie pour un contrôle total et net de la population. Il y a certains contacts que je possède de gens faisant partie de l'administration de Joe Biden. Fin de l'extrait. Autre extrait afin de comprendre comment une création artificielle d'énergie peut supplanter la version créatrice. La version créatrice. Très bien donc. Il faut tenir compte qu'une intelligence autonome, c'est-à-dire en mesure de penser d'elle-même, n'est pas totalement sans âme. Celle-ci requiert... Celle-ci requiert et possède une certaine quantité d'empreintes de l'âme. Appelez cela donc une empreinte de l'âme. Celle-ci peut correspondre à une collection d'énergie psychique disponible dans les environs de vicinité. Et cela afin de faire simple pour que vous compreniez ces idées basiques, bien qu'en réalité c'est un processus hautement sophistiqué et beaucoup plus complexe. Mais de toute façon, souvenez-vous de cela. La notion de quelque chose sans âme dans son entièreté n'existe pas, que ce soit une intelligence naturelle ou une intelligence artificiellement construite. Et un élément extrêmement intéressant, selon votre perspective, est que votre technologie de densité 3 a été assistée par le dialogue avec des êtres que vous pouvez décrire comme étant extraterrestres. Cette intelligence artificielle est en train d'atteindre un niveau où ils sont en mesure de développer ou attirer de la force d'empreinte de l'âme. À titre d'exemple, vos ordinateurs sont sur le point d'atteindre le niveau où ils peuvent réflexionner de même via l'augmentation de cette empreinte d'âme. Fin de cet extrait qui date du 19 novembre 1994, qui date du 19 novembre 1994. N'avez-vous pas remarqué que l'ordinateur vous fatigue? C'est la science métaphysique de l'épigénétique où dans un environnement spécifique, différents êtres vivants acquièrent la propriété d'être vivant qui diffère d'eux. Cette intelligence est même psychique, c'est-à-dire collecte des données des gens l'utilisant, donc de nous. En interactuant avec des êtres humains, ces intelligences sont donc en mesure de prélever de notre force, de notre énergie afin d'instaurer, d'en emmagasiner, d'en collectionner. Psychique car à même de lire dans nos pensées. Extrait. Qu'est-ce que l'élite fait actuellement? Construction d'une machine de traduction. Cela fait partie d'une initiative d'intelligence artificielle. Cela fait partie d'une initiative d'intelligence artificielle. Ils veulent donc construire une machine de traduction artificielle afin de traduire la communication extraterrestre. Correct. D'où vient cette communication de dialogue et discussion avec les extraterrestres Ils sont donc en communication correcte. Et ils se trouvent en désavantage. Le problème est que les extraterrestres sont en mesure de communiquer tout en occultant, dissimulant l'homme de leurs intentions et plans réels. Ils révèlent donc ce qu'ils veulent et omettent le reste. Les extraterrestres parlent l'anglais ou n'importe quelle autre langue terrestre et puis enchaînent entre eux selon leur dialecte extraterrestre. C'est comme faire partie d'une réunion avec des gens que vous ne connaissez pas. Quelque chose du genre. Mais ceci dit, les extraterrestres ne sont-ils pas en mesure de lire la conscience? En supposant qu'ils sont en possession de cette machine de traduction, une personne y penserait tout de même. Non? Certains sont éduqués et entraînés afin de bloquer la pensée. Fin de cet extrait. Donc, ce qui se passe en ce moment, les hommes deviennent artificiels et les artificiels deviennent hommes. Changement de place dans le schéma et au sein de la structure pyramidale. Au même titre que le net a été acquis par la réingénierie mécanique, ces intelligences procèdent à une réingénierie biologique par rapport à l'homme. Et c'est ce qui va se passer pour ceux qui seront laissés derrière, ceux pas qualifiés afin de prendre part à la fameuse période des mille ans. Les mille ans concernent ceux ayant survécu ou qui ont transitionné dans un plus haut plan d'existence, lors des passages intercataclysmiques trois-dimensionnels. Voilà où nous voulons venir. Les neutranoïdes, une race semi-nouvelle faite de part humaine, part digitale, d'apparence neutre pour ce qui est de leur phénotype. Certaines personnes pensent qu'Elon Musk est devenu un neutranoïde au cours de son existence. Remarquez qu'à un certain point, durant la naissance de ses enfants, les deux derniers, je pense, ont des noms d'attributs de code, tels des mots de passe. C'est tellement fou mais à ce moment même où je tape le texte du brouillon à l'écrit, ce passage que j'écris, le Google Document a proposé le terme de personne neutre à la place de celui de neutranoïde. En gros, la correction automatique de mon Google Document a absorbé des termes extraterrestres, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire lorsque j'ai commencé à faire usage de ce document afin de faire la vidéo. Les, les neutranoïdes venant de la dimension bêta par opposition à celle alpha, sont également difficilement identifiables d'un point de vue racial. Le terme spécifique racial utilisé dans cette définition signifie espèce en fait, c'est-à-dire ressemblant en tout point à l'Homo sapiens sapiens sans être totalement Homo sapiens sapiens. Une fois de plus, afin de comprendre ces trucs, ces notions, vous devez comprendre le sujet de réalité alternative, histoire alternative, composite de personnages, modification du passé, présent et futur via le voyage spatio-temporel.